Salut tout le monde, c'est Didi New Walker, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Vide Grenier Live. Et aujourd'hui je ne suis pas seul, donc je suis accompagné d'une nouvelle arrivante dans le YouTube Game. C'est Miminette Game, voilà. Bonjour les amis. Voilà, donc Miminette qui ne montre pas son visage, donc on respecte cela. Et j'ai bien évidemment le copain DJ Gamer, donc voilà. Donc là du coup on se trouve aujourd'hui à Savigny-le-Temple dans le 77. Le petit pouce de Miminette. Donc du coup voilà, le vide-grenier se trouve juste derrière. Donc on va aller faire un tour en espérant cette fois-ci qu'on trouve de bonnes petites choses. Donc je vous dis à tout de suite. Bonjour. Je peux regarder, vous permettez? Ah oui, allez-y. Merci, c'est gentil. Hop. Oula, mince. Vous les vendez combien, les jeux Switch? 20 euros. 20 euros? Mario Kart. Non. Tu vends les deux ou un? Mario Kart, 15 euros. Barbie Friends. Je vous les remets. Hop. Vous avez que ça en jeu ou... Oui, j'ai que ça. D'accord, ça marche. Je vous remercie bien, c'est gentil. De rien. Passez une bonne journée, bon courage. Ah bah là, il y a des... Oui, ouais, je regarde. Là, vous avez là où on a les câbles et la manette et le Joy-Con. Et voilà. Et vous vendez combien la console, juste pour que... 15 euros. 15 euros. Ça marche. Merci beaucoup, c'est gentil. Bonne journée. Merci. Je te laisse regarder. Bonjour. Bonjour. Vous les vendez combien les jeux? Putain, on peut trouver combien? Ah, sans vous mentir, les jeux de foot comme ça, c'est vendu entre 50, c'est vendu entre 50 centimes et 1 euro en cash. Depuis tout à l'heure, on m'en met pas à 2 euros. Là. D'accord. Non, bah après. Alors, bon, en gros. Parce que... Non, pas de soucis. Non, bah après, je regarde quand même ce que vous avez. Voilà, j'en ai vendu 3 ou 4 et on les a pris à 2 euros. Après, 2 euros, c'est pas cher en soi, mais ouais. C'est vrai que c'est genre de jeu, effectivement. Ceux-là, les FIFA, ils sont. Ouais. Non, mais après, bon. Même 2 euros, ça va, c'est pas non plus. Ouais, si vous en prenez 3, et votre manette, elle est à combien? 7 euros. 7. Je fight. Attends, celui-là est sympa, celui-là. Attends, il est où DJ? Il est parti? Ouais. Il nous a abandonné quoi. Bah, je veux dire. Vous avez que ça du coup en jeu ou vous avez peut-être autre chose ou... Non, tout est là. Tout est là, d'accord, ça marche. Bon, vous avez peut-être déjà. Ouais, si vous me dites, vous avez vendu quoi du coup ce matin? C'est pas indiscret? Je sais pas. Vous savez pas tout, ouais, c'est. Avec quelques jeux. C'est des rêves de mon fils, j'avoue que voilà, c'est pas mon fils. Non, ça marche, pas de soucis. Je sais pas. Pas de problème, ça marche. Il y a une personne qui a pris pas mal de. Ouais, 3 Xbox, je crois. D'accord. Je vous dirais pas ce que c'était. Non, ok, ça marche. Ok. Pas de soucis. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie bien, c'est gentil. Merci. Bon courage. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous permettez, je peux regarder? Oui. Oh, il y a ça, là, ça. Elle est à combien, votre huit? Elle est à 30 euros. 30 euros. Et les manettes sont vendues séparément? Avec, ou... Non. Si vous voulez que les manettes, ça peut être séparément. Et à combien? C'est laquelle qui t'intéresse? Alors c'est la rouge. Parce toi que, la rouge? J'ai la Wii Mini. D'accord. Pas complète. Ok, bah moi ça serait plus celle-ci, mais après tout dépend le tarif, mais pourquoi pas, ouais. Bah si c'est juste la manette, 5 euros. 5 euros? Ouais. La manette. Ouais. L'ensemble, je veux dire le Joy-Con et. Ouais. Ouais. Non, mais écoutez. Ça c'est. Ouais, la version bien. Ouais. Non, franchement. Ah, nickel. Non, bah écoutez, moi je vais vous prendre. Elle fonctionne bien, ouais, y a pas de soucis. Ouais, ok, d'accord, ça marche. De toute façon, c'est juste qu'on a changé de Wii. D'accord, ok. Non, bah pas de soucis. On a pris la petite. Ok, non, bah écoutez, moi je vous. Pour 5 euros, ça va, je vais vous prendre. Celle-là? Ouais, celle-ci. Okay. La rouge, tu veux la prendre, toi ou pas? Non, je réfléchis. Je vais faire un tour si je trouve bien. Je vous avez. Quelqu'un de la monnaie? J'ai pas du tout de. T'as de la monnaie dans la monnaie? Un billet de 5? Un billet de 5? Ouais. Combien? Bah un billet de 5 en fait. Bah, Ou jamais. Ah. C'est 1 euro le livre. Est-ce que vous D'accord, ok, je prends ça.
Pardon. Ah, excusez-moi, désolé. Peut-être revoir le prix. Ah, hein, excusez-moi. Hop. Il y a l'unité aussi. C'est le sac, c'est le sac qui est vendu. Oui, le sac. Bonjour. Bonjour. Vous les vendez combien les jeux? Ça dépend. Ça dépend. Je peux pas négocier. Non, non, il n'y a pas. Il m'a fait la liste. Alors, je peux pas négocier. Celui, c'est l'ultra, là, le Pokémon. Il m'a dit 20. Ouais. Il y en a 5. Et il y en a. Alors attendez. Ça, c'est 20. Ouais. Les Yo-Kai Watch G. Ça, j'ai. Jurassic World, il m'a dit c'est 10. D'accord. Et l'autre, il m'a fait Tomashi 5, c'est ça? Et l'autre, il m'a fait 10, le Magic World. Le Magic World 2, d'accord, ok, ça marche. Ouais, c'est pas vraiment pas négocié. Non, non, pas de soucis, ouais, après. J'ai eu très souhait. Ok, ça marche. Vous avez que ça en jeu ou vous en avez d'autres? Non, 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 c'est. Ah, vous avez déjà vendu? Bah ouais, parce qu'on a. Ah, mais bien, non, mais bien. Il est passé au-dessus avec un Mutsi. Pas de soucis. Il y a quelqu'un qui a tout lâché les petits Lego. Ouais, c'est tout ce qui est en vrac. Ah ouais, mais les Lego, les gens. Tout ce qui est en vrac, il a tout lâché en vrac. Ça marche, non, pas de soucis. Eh bah écoutez, bon courage en tout cas. Ouais, c'est ça que je me compte, hein, quand on arrive le premier. C'est ça, premier arrivé, premier servi, hein. C'est ce qu'on dit. Non, pas de soucis, vous inquiétez pas. Bonjour, vous permettez? Je peux regarder? Oui, c'est gentil. Oh! Ah ah! Vous la faites à combien? Elle est complète, 50 et tout. 50. Et le petit Mario, oui, Switch, vous la faites à combien? 60, il est tout neuf. Ah, il est vendu 60 maintenant. Ah non. Ah si, si, si. Ah non, non, non. Si, ah, si. Il est vendu à 60 euros maintenant. Il a baissé, il y a une offre actuellement. Après, je sais pas, ça va durer, mais il y a une offre actuellement. Ouais. Actuellement à 60 euros, ça sert à rien. Et vos jeux, bon, vous jamais, les vendez à combien? Je vends le lot. Ah, vous n'avez que le lot? C'est vrai que. 50 le lot, c'est ça? Ouais, 50, ouais. 50. Ah, 50 le lot. Je regarde par curiosité. Elle est sans canne normalement? Ouais, elle est complète. Hein. Non, elle est propre et tout. 50, c'est un peu chaud, mais... Non, ouais, 50, c'est... Ouais. En fait, les... Proposer. Dommage pour les jeux, sinon j'aurais bien... Ouais. Et encore... Vous faites vraiment aucun jeu à l'unité, quoi. C'est... Non, ok. Bon, faut trouver, du coup, la personne qui... Hop, tenez, je vous remets ça là. Merci. Je vous remercie bien, c'est gentil. Bonne journée. Merci à vous aussi. Ouais, c'est ça qui vous a... Là, ça grandit vite. Pardon. Bonjour. Vous les vendez combien, les jeux? On peut tourner le bac? Ah, comme ça. C'est gentil, merci. Ah, oh, attendez. Attendez, je vous défais tout. Je suis ça pour que ça soit joli. Oui. Désolé. Bon, bah écoute, on passe après. Eh, tout à l'heure, tout à l'heure. Salut. Celui-là, je l'avais fait. Résistance. Non, vas-y, regarde. Toi, c'est lequel? C'est celui-là que tu veux voir? Ouais, c'est les deux, ouais, c'est les deux, j'étais pas là. Parce que celui-là, je mets celui-là, je fais jamais doute, je sais pas. Enfin, je sais pas. Tu veux regarder? Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Après, soit t'en as bien mon état. 5 euros, il a dit, c'est ça? Ouais. C'est 5 euros l'unité, c'est ça? Ouais. Mais... Y aller, ils sont propres, hein, si vous... Non mais ça se voit déjà même au niveau des boîtes, ça fait plaisir de voir des... Ouais, je suis... Moi j'aime pas les gens qui vendent des cochonneries, ils sont tout défoncés. C'est ça. Non mais ça donne pas envie quoi. Ah non mais clairement, faut dire ce qui est. Non non là franchement les boîtes sont propres. Ah, c'est la même des choses. Ouais. Tu prends pas Minette celui-là? Non. Oui. Moi je vais choper celui-là. Parce que je crois que celui-là je l'ai. Ouais, moi je crois que c'est. Moi je suis sûr que je l'ai. Par contre, je l'ai pas. Ouais, tu vois, bah comme ça c'est parfait. Et en PS4, vous avez que ceux deux-là? Ouais. Ok. Bon, après, c'est tu des... veux qu'on les aille, ouais. PS4, je crois que j'en ai. Ah 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 ah. vous avez plein de jeux.
Ta jaquette, elle me paraît un peu... C'est pas du photocopier? Non, non, c'est des jaquettes. Ceux-là, ils sont pas à 5 euros. Ils sont un peu plus chers quand même. Et vous les faites combien? Ceux-là, c'est 10 euros. D'accord. 10 euros. Et la PS5 en plus. Celui-là est un peu plus cher parce que c'est le dernier, il vaut 80 balles. Ça, je sais, c'est moi qui les achète. Pour le fiston, ouais. Ouais. C'est vrai, le fiston. Non, il est mouillé parce que c'est pas ça. Ouais, que... non, je vais regarder la jaquette après un coup, malheureusement. Ah, bigre. Ah, mince, parce que j'ai pris monter et malencontreusement, je crois que. Moi, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Ah non, tiens, Inazuma, tu vois. Je sais pas si ça vous intéresse. Oui. Ouais, mais non, c'est F1. Non, c'est combien? C'est F1, là. Tu vois, je pense que l'image, elle est d'autre, là. Alors, il y a des amis qui ont trouvé des jeux PS1. Je voulais montrer Spider-Man. Tu vois? De toute façon, je les prendrai pas. Non. Tu mets moi, c'est peut-être celui-là, parce que c'est comme Master, et je voulais... Toka, celui-là, je l'avais à l'époque, celui-là. Avec un ami, on s'amusait à faire les descentes. En fait, on faisait la piste rapide et on remontait toute la piste, en fait. Ah, ok. Et on se tapait des délires. Ouais, c'est ça, après, je vais brancher pour le... Voilà. Hop. L'Argowin, je l'avais. Verali. Tu prends cela, Miminette, du coup? Alors, le Spider-Man, oui. Tiens, attends. Je sais pas... Attends, on va t'encombrer, c'est pour... Et vous les vendez combien, vos jeux, madame? 5 euros. 5 euros? Ok, ça marche. Merci beaucoup. Bon courage, bonne journée. Allez, on va. Steelbook. Le fameux Astérix, il est là. Ah, il n'y a pas le jeu. Ah, il n'y a pas le jeu. Ça a été mélangé, peut-être. On va vérifier tout. Attends. Alors, il y a quoi? PES. Oh, mais il est pris dessus. 5. Il y a quoi d'autre? Ouais, comme ça, ce sera plus simple. Si vous prenez tout, monsieur, je prends encore plus cher que vous. C'est vrai? Ah. PS. C'est la thématique du jeu. Je vais mettre ça là. Hop. Il y a quoi en dessous? Non, c'était correct, le PS 2000. Re tout le monde, donc voilà, je suis enfin rentré donc de ces vide-greniers que j'ai pu faire ce matin, parce que oui, j'en ai fait deux. Bon, le deuxième, il est inexistant. Hein. Je l'ai fait que avec Miminette Game. Et du coup, bah, il n'y avait rien du tout. Donc voilà, on va rester seulement sur le premier donc, que j'ai pu faire en compagnie de Monsieur DJ Gamer et de Miminette Game. Attendez, excusez-moi, j'ai quelqu'un qui m'envoie une vidéo.
Bon, Didi, comme je te disais hier, je suis au même endroit qu'on avait fait l'année dernière, toi et moi, et la traqueuse. Voilà. Toi, t'es pas là, bah attends. Ah là là là. T'inquiète pas, on va rattraper ça cet été, copain. Bon, voilà, c'était le petit copain Sony Adventure qui m'a envoyé une petite vidéo. Donc, du coup, bah, je vais quand même vous présenter ce que j'ai pu trouver. Donc, on commence. Vous avez pu voir, j'ai pu le filmer, j'ai pu trouver une Wiimote édition Zelda avec un petit nunchuk classique. Je ne sais pas si c'est un officiel Nintendo peut-être ou pas, je sais pas. C'est pas grave, j'en ai déjà plusieurs à la maison. Et du coup, la personne faisait le lot à 5€, donc honnêtement, j'ai même pas cherché à négocier. Et puis je crois même, Miminet Game me disait que, alors, que la Wiimote elle-même, elle tournait facilement dans les 15-20€, c'était pas voire plus. Donc c'est vrai que 5€, j'ai trouvé ça vraiment plus que correct, et en plus elle est en très bon état. Juste maintenant à tester, voir si elle fonctionne bien, mais honnêtement je pense pas me faire de soucis par rapport à ça. Je pense que la Wiimote fonctionnera très très bien. Donc voilà, c'était 5€ les deux. Et du coup après vous avez pu voir aussi une personne qui déballait pas mal de jeux à ce moment là. On arrive au bon moment, donc il y avait du jeu PS3, il y avait un jeu PS5, des jeux 360, enfin pas mal de jeux. Du coup là, DJ Gamer, je commence à fouiller le jeu, il me dit oh, les deux m'intéressent. Et puis finalement sur les deux, il y en avait un qui l'avait sûr et pas l'autre. Miminet Game a priori ça l'a pas force intéressé plus que ça, donc du coup on s'est mis d'accord. Et du coup j'ai pu me prendre, parce que moi je l'avais pas, c'était sûr et certain, le Ratchet & Clank Nexus. Alors celui-là franchement c'est la première fois que je le vois. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Et voilà, du coup, donc les jeux étaient annoncés à 5€ pièce. Bon, écoutez, pour 5€, je l'ai pris. Alors moi, j'ai pas voulu négocier. DJ Gamer a voulu négocier plusieurs jeux, mais le mec a pas voulu. Donc moi, c'est pas grave, je dis t'inquiète pas. Je dis pour 5€, je le prends. Et en plus, il est complet en très bon état avec sa notice. Donc voilà, un petit Ratchet qui rentre dans la collection. Donc franchement, ça fait super plaisir. Donc voilà, il n'y a pas autant de trouvailles que j'ai pu faire il y a 2 semaines de ça. Mais voilà, je pense que le petit Ratchet & Clank, c'est plutôt correct, excusez-moi. Et du coup, avec la petite Wiimote édition Zelda, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu pour me soutenir. Bien évidemment, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et si le contenu vous plaît, hein. Et moi du coup, je vous dis au week-end prochain, car le week-end prochain, je serai à la Pixel Day en Belgique. Donc voilà, pour ceux qui vont y aller, n'hésitez pas à venir me voir si vous me trouvez et qu'on puisse discuter ensemble. Alors, j'y serai en tant que visiteur, hein. J'y serai pas en tant qu'invité. Mais voilà, je serai à la Pixel Day, donc moi j'y serai à partir du dimanche, j'y serai pas le samedi. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, c'était Didi New Walker. Ciao, ciao.